fait. Amen. Amen. Donc ici, nous délivrons les gens. Amen. Nous délivrons les gens. Moi, ça va, c'est là. Son histoire, elle a mangé, elle a attaqué sa tante. Elle est Liam Sokro. Sa tante est venue faire sa délivrance ici. Elle a fini sa délivrance, on a mis l'ulti-elle. La nuit, elle couchait sa tante. Oui. Je ne sais pas où elle a levé son truc là, mais elle a ça. Elle vient coucher avec elle. Oh, la sorcellerie là. C'est 1 mètre. Ça, c'est une petite. Ou c'est 4 mètres. C'est pour te tuer. Donc, sa tante est arrivée, elle a pris les bagages de sa tante. Qu'elle est montée à l'état, elle est tombée. Elle, quand elle a tremblé là, c'est là qu'on a envoyé ça. Ça l'a attrapé. Nous sommes en train de les aider. Et puis on va les intégrer demain dans leur famille. Amen. Voici le travail. Ici là. Maintenant, quand il est têtu, il y a un travail qu'on fait pour le briser. Nous, on sait très bien faire ça. Va t'asseoir. Petit, t'es sorcier, viens là-haut. T'es sorcier. Je disais une femme, une vieille ici. Maman, mamie, t'es sorcier. Elle est où? Elle est partie. Mamie, t'es sorcier. Elle est celle-là. Mamie, t'es sorcier. C'est même chose. Non, c'est les vilains choses qu'on entend souvent. Que Dieu nous aide. Petit, t'es sorcier. Oui. Les gens disent, ah, prophète, toi, les enfants, mais un enfant qui fait le travail des grands. Sorcellerie, je vais passer. Les grands sont morts. À sa mort, parce que c'est les vieilles personnes. Quand tu vois le but, tu dis, non, lui, là-bas, ses yeux sont rouges. C'est une sorcier. Le feu, le feu. Oh, le plus dangereux, c'est le petit qui dit l'église. Lui, la snipe, les snipers. T'es sorcier. Oui. Comment tu t'appelles? Comment tu es venu ici? Je suis venu. Qui t'a envoyé? C'est ma maman. Elle est où? Hein, tu es au bout. Viens. Le petit l'a vu la manger. Ils vendent des bananes, c'est vrai qu'il y a que ici. Et ils ont des braises. Il y a un peu de piment à côté. Côté main. On appelle ça ici. Mets à côté ici. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenté sa vie. Comment? J'ai tué du vin. J'ai dit sa marchandise. Comment tu as fait? La nuit, quand il va voir ma chérie, j'ai ouvert le sac et puis j'ai chié des vins. Tu chies des vins comment? On appelle ça embêter Gounini. Gou, Nini. Gou, c'est sorcellerie. Nini, c'est gaga. Gaga de sorcier. Lui, qu'on n'est pas baissé. Visage des gens ou ceci, marchandise du fait. Gou, Nini. Comment tu fais? La même quand tout le monde est dans le nouveau marché, le sac et puis la lampe, le pantalon, il est chier. Les gens tombent la nuit, toi, t'as mis ton pantalon. Va aller chier. Ça fait quoi encore? J'ai perdu son voyage. La maman m'a dit, elle ne sait pas. Elle n'a pas vu le voyage, ça fait. Elle devait partir où? En France. La femme a gâté ça. Ça dit, le petit sait que sa maman doit partir en France. Il sait. Les sorciers là, ils savent, ils nous connaissent. Ils savent tout. Donc, il prend ça et puis c'est ça, il gâte. Et puis j'ai mis boule dans son ventre. T'as mis boule? Oui. Comment tu appelles? Je sortais avec elle. Tu sortais avec elle, ça veut dire? Je couchais avec ma maman. Comment tu fais? La même fois, elle dort. Je l'avais dormi maintenant. Tu l'avais dormi? Oui. Comment tu fais? La table, elle dort. Elle boit mystique? Oui. Et puis elle dort? Oui. Et puis tu fais quoi? Et puis je couche avec elle. T'as propre maman. C'est pour ça que sur la terre, ici, on ne va pas délivrer, vous mourrez mal. Mais vous êtes en train de faire ce qu'on ne doit pas faire. Ce qu'on ne doit pas faire là, c'est ce que les sorciers vous arrivent à faire. Tu fais quoi après? Et puis je couche avec elle.
Et c'est comme ça que tu as mis la boule. Ça va, ta maman? C'est ton fils? D'accord. Comment tu as connu le sang? C'est une protection qui m'appelle le Dieu. Tu dis? Une prophétesse. Oui. Vous allez me quoi, toi? C'est une prophétesse qui m'a donné le vidéo, qui m'a donné le sang. Elle a dit le prophète est en voyage. Mais elle m'a dit de venir avec moi. Que Dieu bénisse cette prophétesse. Oui. Chacun a son ton. Si tu as carie, le médecin généraliste va t'envoyer chez le dentiste. C'est comme ça. Si tu as pénicite, c'est le chirurgien. C'est comme ça. Chacun a son don. Et quand tu es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé le premier jour, je suis arrivé vers 16h. Donc, vers 8h, il y a demandé au parc où on prend la nourriture. Bon, c'est long. Tu es en train d'être. Et l'enfant dit, il t'a donné une poule dans le vent. Vrai ou faux? Tu as une poule dans le vent? L'enfant dit que tu faisais le commerce réel. L'enfant dit que tu faisais le commerce de bananes. Et qu'il a gâté ce commerce. Tu faisais le commerce pour moi? Oui, je faisais le commerce. Tu fais la banane plantée pour les vendre? Oui, je vais en bourse. Je paye en gros là-bas. Et puis je viens, donne en gros aux femmes. Moi-même, je prends aussi pour les vendre. Est-ce qu'il a gâté? Oui. Maintenant, il dit bon, qu'il a mis boule dans ton ventre. Oui. Que souvent la nuit, tu dors. Oui, orchestra. Avec des pieds de jazz. Elle n'est jamais quand il dort, là. Tu sais, c'est orchestre de jazz. Pan, pan, pan. Elle n'est jamais mes freins. Quand tu prends un peu de la main, tu te demandes, est-ce que le monsieur va pas mourir? Mais tu bloques un coup, pouf. Puis il prend un coup, pouf. Vraiment, je suis en train de vous détendre un peu parce que c'est des saletés. Bon. Donc, qu'est-ce que tu as fait après ta maman? Tu crois à la sorcellerie de la femme? Au début, je ne croyais pas. Maintenant? Oui, je crois. Qu'est-ce qui t'a mené à croire? Quand j'ai commencé à lire des mots, et puis il a commencé à parler, mais je ne croyais pas même. Mais la dernière fois, j'ai vu des choses au carré pour là-bas, c'est pas là même, je ne comprends pas. Tu avais quoi? Pour la nuit, je suis quitté au bord là-bas, je venais. C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière moi qui t'a baissé comme ça. Mm-hmm. Maintenant, je me suis retournée. Je vois, il y a un monsieur grand de taille en forme qui a bien en noir. Mm-hmm. Je l'ai regardé jusqu'à, il me retourne encore, je vois deux chiens noirs. C'est ça arrivé ici, je l'ai demandé. Qu'il y a vu quelqu'un au bord là-bas, c'est qui m'a dit, ce sont des boucles. Là, tu as commencé à croire. Monsieur, ah, voilà ça. Donc, avant qu'elle te dise les sorciers, tu crois pas. Voilà qu'il est sorti. Le gars noir, là, tu tacles d'abord. Parce que lui, c'est ici, ça. La femme n'a pas été de jouer ça. Il te dit ce qu'il a fait. Oui, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Fédi, tu as fait quoi? Tu as levé. Et ici, ton esprit dit. Hé, maman, hé! Hein? T'as fait quoi? Comment? Donc, son caca, vous allez passer son nom. Son nom était où, puis caca est passé ça? On va le nommer directeur. Tu le connais, monsieur? Mon grand frère. Oui, tu as effacé. Mm-hmm. Comment t'as fait? La nuit, je suis partie où il travaille. Parle fort. La nuit, je suis partie où il travaille. Et puis, il est sorti sur le lit. Oui, c'est fini. Tu as fait quoi encore? Et puis, elle s'est engagée à plus de. C'est ça? La voiture est incendiée? Oui. Vous voyez, non? Il a acheté la voiture 2 mois après ça. Il a acheté la voiture? Deux mois après. Et c'est toi qui as fait ça? Oui. Et puis les gens disent non, le prophète. Vous voyez ça? Je ne suis même pas l'enfant. Et qu'on n'a qu'à laisser les sorciers. Il ne faut pas parler d'eux. Pourquoi le prophète lui-même, c'est les sorciers?
Oui, je les attaque. Mais ils sont pas bien. C'est là est ta mère. Toi, tu vois calmement, on m'a pas nommé. Ah, le gars est venu prendre caca pour mettre la suite. Tu as fait quoi encore? Là, il dit. Tout ça, mais tu as fait quoi? Tu as vu ton aïe où? Oh. Tu as bloqué son aïe. Tu as tué combien? À son âge. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, il a déjà tué 7 personnes. Vous êtes combien dans vos sortes? On peut rire. 22. Toi, tu as quel poste là-bas? Non, tu es dangereux. Ta grand-mère est là où? C'est quelle grand-mère là? C'est la petite. On peut dire dans le bon, dis pas son nom, ça va. Ça a lui quoi? C'est à toi. Faut expliquer, t'avais dit quoi? Non, tu vois petit, non là-bas tu es grand. Mmh. Tu es grand. Mmh. Tu es grand comment? Mmh. Comme ta maman. C'est mmh. Pour ça qu'il pousse ici à ça, non? Il ne se voit pas petit, il grandit là-bas. Mmh. Et puis tu fais quoi? Quand on dit de ma chère Dieu, c'est à cause de tout ça. Quand on n'a pas Dieu, on est exposé à des grands dangers. Exposé. Tu as fait quoi encore? Hein? Ton oncle, oui, tu as déjà dit. Ton petit frère, ah ok. Il t'a fait quoi? Tu l'as fait quoi? Tu as gâté quoi? Tes études, tu as fait quoi? Tu as gâté quoi? Quoi? Hein? Il devait passer en troisième. Oui. Et puis il changeait sa fille avec une fille. Comment? Une fille. Comment elle a dit? Elle peut bien parler. Ça fait des amis. Oui. Il devait passer sa fille. Mais comment t'as fait? La nuit, il s'est passé à l'autre école. Et puis il a pris sa fille. Tu as échangé? Oui. C'est pour ça qu'il a perdu. Oui. Et tu as fait quoi encore? Oui. Ton grand-père. Grand-père. Oui, tu as fait quoi? Mon grand-père. Il pleut beaucoup maintenant, deux jours là. Hein? Mon grand-père. Attends, une pause.